Salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour l'épisode 89 sur Final Fantasy VII Rebirth dans la dernière vidéo. Eh bien, après avoir vu le groupe se séparer malgré eux, dans un premier temps nous avions vu Cloud, Barrett et Tifa de leur côté. Ensuite, dans la dernière vidéo, nous avions vu ce qui était advenu de Iris, Rouge 13 et de Yuffie. On a eu une nouvelle phase de gameplay avec Iris où on devait récolter on va dire du pouvoir de la rivière de la vie pour pouvoir débloquer la suite du chemin. Et on était retourné à la toute fin du côté de Cloud et des autres, donc on va aller voir ce qui va se passer, les amis, puisque nous sommes toujours en quête de la Shinra qui a un petit temps d'avance sur nous. Et accessoirement, on va essayer également de faire en sorte que le groupe se retrouve. Voilà un petit peu, les amis, les petites dernières péripéties qu'il s'est passé. Voilà, temple des anciens, hall de la vie. Alors, tac. Ah oui, chercher la matière noire dans le temple. Oui, voilà. C'est la matière noire que, évidemment, nous sommes venus chercher. On va juste regarder. Iris, elle, a une compétence à apprendre. Et normalement... Alors, attendez. Est-ce que... Il faut que je me refasse un truc. RDF, non. Méga soin. Non, ça m'a l'air d'être pas trop mal. On a toujours analysé, donc c'est bon. Allez, on va pouvoir continuer, les amis. Mais avant de se lancer dans la vidéo du jour, les amis, n'oubliez pas le soutien, le petit j'aime, le petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez bien les notifications. Si vous ne voulez pas louper la sortie des prochaines vidéos, des lives, etc., n'hésitez pas également à aller voir les anciens let's play ou les anciennes vidéos. Un grand merci à tous et ceux qui soutiennent. Voilà, vous êtes malheureusement encore une grande majorité à regarder les vidéos mais à ne pas vous abonner, et ça c'est assez dommage. Donc vraiment pensez au soutien, les amis, c'est gratuit et ça permet de continuer à vous proposer des let's play qui, j'espère, vous plaisent. À la poursuite des Turks. Ok. Alors. Hop. On va... on va en profiter pour prendre un peu de repos. J'avais hésité à... Est-ce qu'on va se les faire ou pas? Yeah!
Voilà, comme ça on en profite pour rappeler quelques points d'expérience ici et là. Ça sera toujours ça de gagner. Alors, faites tomber des débris pour pouvoir traverser. Il y a des petites choses que j'avais pas vues ici là. Hop là. Donc, faire tomber des débris. Il n'y a que là, je pense, hein, qu'on peut jeter un truc. Ah, ok, ça se coince. D'accord. C'est bah génial. Là-bas, il y a un coffre. Ok, donc là il y a des ennemis, parfait. Là. Ok. Allez, une arme pour Barrette. Voilà, un cri de la planète. Très bien. Donc, tout le monde commence à prendre des nouvelles armes. Alors, augmente temporairement le gain progressif d'ATB de manière considérable. Utilisable une seule fois par combat. La montée d'adrénaline. Ça
Ok. Non, il n'y a pas moyen de contourner ici. Donc ça, je suppose que ça va être là qu'il va falloir le faire tomber. Ah! Fait tomber encore un débris pour pouvoir traverser. D'accord. Et là, on peut redescendre direct. Ok. Faisons tourner. Ah, ok. C'est ce gros balourd qui va le briser pour nous. Titan d'acier. Ok. Ces géants de fer ont été créés par les Cetra qui les utilisaient aussi bien pour combattre que pour construire. Ils peuvent ressusciter à l'infini tant qu'ils ont accès à la rivière de la vie. Alors, après quelques temps, ils utilisent affûtage enchanté, ce qui les fait simultanément rentrer en état de fragilité. S'ils ne sont pas mis en état de choc dans le délai imparti, ils lanceront une attaque dévastatrice. Faire entrer un titan d'acier en état de choc permettra de briser la colonne. Ok, il est faible contre... Thank you.
Voilà. Ok. Et donc, normalement, tu pousses ça ici. Bon, eux sont revenus, tant pis, c'est pas grave. On va attendre. Eux ils sont là, mais il me semble que il n'y a rien à ramasser apparemment. Ah si. Hop. Très bien.
un peu de repos, ça fait jamais de mal. On s'occupera de vous après. Ouais. C'est vrai, moi, j'en. J'arrive. Ah, mais zut! Alors, est-ce que j'ai un truc qui guérit de pétrification, là? Ah bah non, mais je suis plus... À mon tour. Ah, mais il soigne! Ah, ça c'est cool ça! D'accord.
Allez, mais... Voilà, mais tu peux rien éviter, quoi. Voilà. Toi, t'as mérité que je te donne un bon gros coup de poing dans ta face. D'un seul coup, t'es sûr? Évidemment. Tu t'en relèveras pas.
Vous êtes là. On se retrouve. Contente de vous revoir. Ouais, bah on en a bien bavé de notre côté. Ah, de nouveau quelques heures plus tôt. Bon, allez, on y va. T'es sûr? Oui. Cherchons les autres. Je m'inquiète un peu. Très bien, donc de retour avec Iris Rouge 13 et Yuffie. Eh ben, on va s'arrêter ici, les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas le soutien, le petit j'aime, le petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez bien les notifications pour ne pas louper la sortie des prochaines vidéos, des lives, etc. On se dit à très très bientôt, les amis. Restez bien connectés. Salut!